j'allais m'équiper en tout et tout. Moi, je vous délivre, je vous amène entre la main de vos sorciers, je vous donne à manger. Je viens donner votre argent, allez faire promesse. Je viens construire votre hôpital. Et puis vous me prenez comme chiffon. Non, moi, je suis bête, quoi. Je suis bête. Puis je continue avec vous. Voici ma vie qui est mène ici. Je ne peux plus rouler dans une belle voiture. J'envoie, ça se gâte. Et là, il était où? Du coup, là, c'est devenu la ville. Il est puissant sur moi. Quand j'ai entendu, je suis dans le boudou. Il est puissant. Quand j'ai entendu, dans le boudou. Qui parmi vous a déjà dit, on a pris ta voiture? Alors, moi, je suis là, quand tu vous êtes les premiers à mettre 2 millions, 3 millions dans la funéraille. Là, il y a 800 000, 500 000. Avec quoi ça? Ben, pris. Ben, puissant. Je dis qu'il ne veut plus qu'il y ait un cercueil funéraire, là. Vous ne donnez pas. Mais je vous comprends. De vous à moi, c'est vous, je vous qui me devez beaucoup de choses. Ça, c'est la vérité. Moi, je suis à Abidjan, les gens vont venir. Abidjan, une soirée, je suis venu 2000, 3000 personnes. Mais Dieu m'a mis à cœur d'être ici. Moi, je vous nourris, vous tous ici. Doucement. Il faut qu'on puisse s'entendre. Amen. Parce que moi, je suis choqué quand un malade vient faire une croix. Et quand il y a un enfant, il ne va pas bien. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Vous êtes à Péniel, amen. Vous êtes à côté de Péniel. Lui, il a pas qu'à arrêter sa communauté. Amen. Je vais vous parler de la foi, amen. On dit amen. Amen. On dit il varie à peu de fruits. Sinon, vois-tu la tabou de Dieu. Lui là, mais on doit prier, vous savez, c'est comme déluge maintenant. Mais ce qui arrive dans quoi niveau là, c'est la catastrophe. C'est pas son temps, ça devient autre chose. Quand il réchit trop là, ça devient bizarre chez moi. On n'est pas habitué à ça. On peut plus sortir. Abidjan ça meurt. Amen. Dieu nous aide. Pourquoi on prie pour tout ça? Lui, ça embête tout le monde là, c'est pas bon. Je vais parler de la foi, amen. Dieu est guéri, amen. Il aura une organisation, excusez pour tout ce que j'avais vu. C'est comme ça. Une œuvre humaine n'est pas parfaite. Parce que c'est à partir d'une forte organisation qui met les choses. Moi je serai là, j'ai fait moins 4 jours avec vous. J'ai dormi ici pour voir. Moi je dormais ici. Je vivais ici. Je suis allé vivre maintenant à Dibo. Parce que Dibo, il y a l'internet. Il n'y a pas que vous seulement. Je suis suivi par 62 pays. Quand j'ai fini ici, j'ai des interventions en fait sur les gens. Les gens ont besoin de moi à l'extérieur. À cause d'ici, là, je ne voyage plus. Parce qu'il faut que ici, là, soit solide. Amen. Amen. Mais ça n'est pour moi, il y a des affaires aussi que je fais. Pour manger. Je ne peux pas compter sur vos petits Saint-François. Mais ici, là, je t'en donne ici. Amen. Il faut que moi, je fasse des affaires pour manger. Alléluia. Et je pense aussi à vous. Je me dis si vous êtes ici, il est vraiment important que vous vous soutiennent. Parce qu'il y a des combats, il faut qu'on soit avec les alliés. Les alliés spirituels. Amen. Vous serez guéris au nom de Jésus. Amen. On dit amen. Amen. On va bien parler à la maladie. Je vous impose les mains, vous tous. Il y a un peu son père. J'ai dit que c'est sérieux. Moi-même, si je ne prends pas les choses en main, c'est pas bon. J'ai laissé ça entre la main des gens qui ne connaissent pas la valeur. Quand quelqu'un ne connaît pas la valeur d'un bijou,
Tu peux laisser dans la portée de tout le monde. Tu vas piger en diamant. Quand tu ne connais pas la valeur, tu laisses ça. Tu ne connais pas. Un pot de bon. Mais c'est cher. Amen. Moi je sais. C'est ce qu'on appelle sorcier pour si quelqu'un. Parce que moi, mes mères, j'ai brisé. J'ai remarqué la dernière fois, le monsieur là, je l'ai vu sur la route là-bas. Je l'ai reçu un monsieur. Il dit, il y a un monsieur ici, vous le laissez, il se balade. Ça veut dire qu'ici là, vous ne surveillez pas. Et vous appelez à Balikwai, au B. Mais après de Dieu là, prenez soin. T'as dit, quand c'est pour Dieu là, il faut bien prendre soin de ça. Amen. J'aimais de l'offre, vous allez voir que ça va changer. Une rébellion, faut mater ça. Sinon, lui, il te renverse. Et Dieu a pas fait de sentiments dedans. Hein? Dieu même dit il y a beaucoup d'appelés, mais si tu n'es pas prêt, il te jette à l'enfer. Ah, il y a beaucoup d'appelés, mais ceux qui vont partir à peu. Prenez le langage de Dieu. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lui. Dans le ministère, c'est là que vous n'êtes pas. Vous savez comment moi, je suis passé pour être ici. Vous savez ce que moi j'ai vécu. Vous connaissez la rien que moi. Vous aimez la rien que moi. Vous ne connaissez pas l'âge. Moi j'aime l'homme. C'est ça que je suis ici. Si on avait d'argent, j'allais voyager en avion. Si moi je dis, allons, c'est pieds d'argent qui vient, puis il m'en va. Si lui était à ma place aujourd'hui, la bataille qu'on allait pas pour bazar. Vous allez trouver que non, il faut faire bizarre. Il y a des gens qui étaient logés dans les familles. Quand il aurait dit de venir dormir, j'ai dit non, là-bas n'est pas. Il dit, allez-y dormir là-bas. Moi je dormais là-bas. Amen. Ça va aller, amen. Amen. Je suis en train de mettre de l'ordre. C'est un centre international ici. Les gens viennent partout. Amen. Un centre est combattu par Satan. Donc, si j'ai remarqué que Satan a pris quelqu'un, je le cherche. C'est Jésus qui a laissé Judas. Toi-même, tu sais que lui, il est Satan, puis tu le laisses. Là-bas, Jésus. C'est Jésus qui a laissé, qui a fait que Judas. Il dit parmi vous, il y a Satan. Il est Satan. Là-bas, Jésus. Si moi, je vis que tu as Satan, toi, il te cherche. Jésus dit non, parmi vous, il y a Satan. Satan parmi vous. Mais Satan t'a tué. Satan t'a tué. Parmi vous, il y a un démon. Si moi, je sais que tu es démon, je te chasse. Mais démon, il y a une seule chose dans la tête, c'est pour tuer. C'est un démolisseur, un démolisseur. Vous avez entendu tout à l'heure. Je suis venu la détruire. Si tu marches avec quelqu'un, tu sais qu'il ne peut pas avancer. Tu es forcé. Il se mérite rien de la vie. Tu marches avec quelqu'un, tu ne veux plus avancer. Il n'a pas fait des sentiments dedans. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Les blancs ont compris ça. C'est comme nous. Là, quand il marche avec toi, il sourit à toi. Il est là. Il est là. Vous souriez tout le monde. Blanc, quand il rit à toi, si tu es bon, tu peux l'apporter quelque chose. C'est ça votre problème. Vous êtes un n'importe qui. Jouer des lidos d'amour. Il veut des chapalons. Il mange où il y a des chiens, il te suit. On est tous là, et bien, on a la caïbe. Non, non. Elle est belle, ta parole, il mange où il y a des chiens. À moi, on est capable, et bien, allez. Vous savez pas ça, que les gens mangent où il y a des chiens. Annie, quelqu'un comme ça vous suit. Et là, quoi, on a la caïbe. Quelqu'un pourra donner conseil. On a eu. Le peuple, goûte au coup sur lui, ça sent. Oh, bon, comment que tu vous mettez? Il dit, il mange à lui, c'est mon camarade. Non, il est le coup. Moi, il n'y a pas de camarade comme ça.
Si tes camarades, c'est qu'il y a quelque chose. Ok, non, on va pas aller. C'est le secret de la vie. Où ça va être le but du match? Parce que la Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes. Mais c'est qu'il y a bon. C'est bien le. À moi, je sais pourquoi. Regardez même dans les trucs. Ce qui est mauvais, là. Quand vous voyez les graines, les trucs là, ce qui est mauvais, ah, une fois arrivé, ça gâte tout. Donc, quand tu vois quelqu'un, il n'est pas bien, il est quoi, non, ça va aller, ça va aller. C'est ça va aller là. Il est quand même, il va te manger un jour. Non, mais, il a laissé faire, il dit non. C'est un démon. On m'a fait ça, c'est moi qui l'ai tué. Encore. Dis-moi la livrée matin, dis donnez-moi l'argent, je vais vous donner Jésus. Oh, regarde, mais je vais vendre. 300 francs. Comment on peut vendre un homme 300? Ben, Guyata. Guyata. Amen. Tu marches avec quelqu'un qui n'arrange pas. Mais d'accord, mais. Oh, tu as la vie, nous. Bah oui. C'est ça, il dit, mais vous, là, non. Dès que c'est pas Jésus, Dieu a mis sous. Jésus. Oui, d'accord, il veut. Ouais, monsieur, toi-même, tu le regardes. Il est quoi, non? Il ne peut pas se nourrir. On a un gnon, il veut. Il ne prend pas en charge. Oh, mais il veut quoi? Il dit, mais madame, je vais. Mais madame, s'il te plaît, il y a un gnon. Il veut dire, oui. Il veut dire, oui. Il veut dire, oui. Lui a maillé quoi? Il y a un gnon. Il veut dire, comme bon, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Et nous, moi, il ne marche pas comme ça. Et non, mais il y en a un gnon. Moi, il sait ce que je veux. Amen. Il y a un gnon. Voilà. On dit les yeux que Dieu a donné là. Il me l'a cagné. Bagage chez loup là, ça connaît pas là. Bah, au moment où on dit. Hein? Donc, faites exprès. Non, non, bagage loup, mais ça, c'est où t'es, ça va où tu es. Bah, au moment où on dit. C'est pour nous amener, non, que tu es venu prier pour moi. Toi, mais t'as mis bagage là. C'est moi qui viens prier pour toi. Ah, il dit, mais c'est vrai. Mais marchez pas n'importe qui. La preuve, vous n'allez pas n'importe où. La mienne, bon, vous êtes quoi. Il faut savoir ce que tu veux. Il me dit, madame. C'est tout. Mais bon. La Bible dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Amen, vous, mais d'accord. La vie, tu accordes la vie devant toi. Et pour ne pas jouer, on joue. La vie, c'est pas un jeu. Vous venez jouer ça. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Tu as joué la vie a écrasé. Et la vie, à qui il y a un chao. La vie, là, ça s'amuse pas. À qui je ne suis pas venu m'amuser. Et qui gagne. Je suis désolé. J'ai échappé un accident grave samedi passé. Je vous fais un accident. Qui est bon? Traversée de route. Ça dit, ma voiture venait comme ça de l'autoroute. L'autoroute. Ça a traversé. Et elle dit à l'autre côté. Elle me met un pied. Quand elle s'est venue. Le cas est il est tombé. Quand on a vu notre voiture, elle est venue. Comme une main a tiré la voiture. Là, c'est reparti sur l'autre voie. Quand elle s'est reparti, c'est reparti. Et ça fait 4 fois. Et puis ça nous a jeté dans un ravin. Donc, tous les voitures ont garé. Venus chercher. Mort, tu vois la vie à mort. Quand vous pouvez, il y a quelqu'un qui aime. Amen. On dit, il n'y a pas mort, on dit non. Il n'y a pas. Quand il est blessé grave, non. Quand il est un moment. 3 fois. Il est sorti et commence à prêcher les bonjours. Il est dans la dîner. Moi, j'ai des programmes. Amen. Amen. J'ai un voile, ça va pas, mais tu montes. Mais il y a, mais il a dit, tu es quitté où? Il y a un voile, c'est mort. Est-ce que tu es monté quitté où? Où est-ce que tu dois mourir les drogues? Il va passer le temps. Il y a un ami, il y a. Il y a une sorcier, si vous voulez, moi, il y a Gabriel Gar. Allez, pour bon, il va plus de poc. Allez, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un pour 200, 300 d'un mois. On a brûlé. Écoute, Bougo. Ne vous dis pas de manger, ne pas manger. Allez, paye Gabriel Gar. Et il y a un lieu, mais. Ah, mais paye le poc. Vous allez manger. Voici la voiture. Ça m'a jeté dans un ravin. C'est tout le monde. Je n'ai pas parlé de ça, écrit pas. Parce que Laurent, j'ai des programmes. Un famille, si j'ai eu. Ça nous a jeté bouffe. Et pas un bien. Pour moi, là. Quand est-ce là venait comme ça? Si nous. Quand est-ce qu'il y a on a vu la main de Dieu dégager la main. Amen. Amen. Il
lui ai donné raison aux sorciers des Arokou. Moi, Amé, vous n'allez jamais m'avoir. Aïe, Amé. La voiture est partie à râler comme ça, c'est la pluie. Puis ça flamme. Et comme une toupie. Le chauffeur a perdu le contrôle. Vous, ça tourne. Moi, je suis dans la voiture. Puis il y a le Dieu. Il commence à sourire. Parce que je sais que j'adore un Dieu. Vivant et puissant. Donc, quoi, c'est quoi, moi? Vous écoutez. Mais je ne vais pas parler de ça. Il ne peut pas lui faire un problème. Moi, j'ai été programmé à 4 heures. C'est-à-dire, vous priez. À 4 heures du matin, j'ai été programmé, ça. Comment j'ai vu que j'ai été déprogrammé? Mais comment la voiture peut traverser des routes? Il y a un car. Le car, il y a un car. Qui a commencé à venir. Et on a vu là. La ressource est allée. Les gens sont sortis, cherchent un cadavre. Et vous avez trouvé cadavre ici. Pour bien. On y est quoi? Ils sont bien ici. Amen. Amen. Frère, il y a des gens qui savent que moi, il y a un petit agenda. Mais Isaïe 54, verset 17, que toute âme faite pour te détruire sera sans défaut. Isaïe, il y a un peu. Combien? Quand vous êtes comme un coup de Dieu, on a un peu de temps. Elle a un petit peu. C'est un prêt à faire ton eau. Et quand encore, c'est la voiture a fait tourner. Mais tu as fait traverser la route. Pas. Et bien, même dit, quatre fois, comme moi. Là. Ouais. Comment Dieu est merveilleux. Amen. Amen. Alors, je bénis le nom du Seigneur. Amen. Amen. Voilà, que son nom soit glorifié. Amen. Il n'a pas fait les fins problèmes. Oui. Parce que je ne meurs pas maintenant. Amen. Je ne suis pas dans du faux. Quelqu'un dans du faux, que Dieu donne raison à tes ennemis. Quand ce que tu fais là, tu es dans le faux, et que Dieu permet à tes ennemis de t'insulter. Je ne peux pas mourir. Amen. Je connais, il y a des gens qui sont restés dans l'accident. C'est quoi la fête? Deux sont venus. Deux sont partis à Mondoussi, ils sont revenus. Oui, mais dis-le. Il n'y a pas mort. Pour les bras. Moi, je prêche l'évangile. Et moi, pour les bras, ça n'y a pas. Dieu est merveilleux. La communauté. La gorille. Et tous étonnés. La gorille. Non, Dieu est merveilleux. Dieu amen. Dieu est merveilleux. C'est ça qu'il faut être dans du vrai. Non, mais la communauté. Amen. Il ne faut pas être dans le faux. Moi, l'incident. Si vous avez déjà dit ça ici, j'ai dit même physique, même ça 6 mois, ça rentre pas. Non, c'est pas pour ébrir. Ça rentre pas? Ébrir. Toi, tes doses physiques, on met sur toi, ça rentre pas. Mais moi, je suis chrétien. Ah, non, mais qui gagne? Là, on est gagnant. De toi à moi, qui est pris près de Dieu? Qui prie près de Dieu? Ah oui, parce que vous avez vérifié qui prie près de Dieu? C'est moi qui ai pris le vrai Dieu. Ah oui, Noël, là-bas. Toi, t'as fait-il, pour toi, rentre pas, pour moi, rentre. Pourtant, la Bible dit dans Isaïe 54, verset 17, toute âme forgée contre nous sera sans effet. Moi, j'ai pris 9 jours. Ah oui, j'ai parlé ici ma vie. Je dis, je ne dois jamais mourir dans un accident de circulation. Puis, il ne doit pas rentrer dans mon corps. Je ne dois pas mourir pendant 9 jours en train de parler sur moi. Toi, je vais voir accident, mais je n'ai jamais été mourir. Mais, Annie, maintenant, vous voulez. Mon chauffeur est sorti, dit, m'a salué. Il dit on marche ensemble, c'est vrai, je te vois faire des délivrances. C'est maintenant, je crois à ton Dieu. Il a le volant en main, la voiture tourne sur lui. Mais moi, je suis serein. La voiture tourne, la voiture tourne. Ça fait tonneau ça. Il dit c'est maintenant là. On a Zeka Benyamé. Je crois. Fallait qu'il vive une expérience à moi. Ça, on va t'amener ce qu'on a. Je l'ai toujours dit. Si tu as un mois, un accident dans ta tête. On n'a jamais fait accident. Alors, s'il te plaît, jamais. La voiture était un peu touchée. Et qu'elle a bien tombé.
le moteur qui a été fait toucher ce feu. Le moteur qui a été fait toucher ce feu. Toute âme forgée contre toi. Ça vous savez, je vais vous dire. Et là, il y a une ici. Amen. Amen. Il est mon héritage. Amen. C'est ça. La parole de Dieu doit s'accomplir dans la vie de ses serviteurs. Amen. 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 Comment toi, tu es chrétien? Mon écrit gagnant. Amen. Les gens me disent non, le prophète même dit que ça veut dire que quand tu es chrétien, tu ne souffres pas. Non, j'ai dit, ah. La parole de Dieu doit se réaliser dans nos vies. Il y a une ça dépend de comment tu comprends un peu. Moi, il y a une manière de comprendre. Toi, tu as une autre manière de comprendre. La vie, c'est une question de foi. Moi, ma foi me dit. Si il y a accident, amen. Si il y a deux qui doivent mourir, amen. Et d'ailleurs, si je suis quelque part, je vais appeler le bébé. Parce que je suis la vie. Amen. Amen. On va parler de la foi. La foi, Hébreux 11, le verset. Je vais pas trop dire la prédication parce que ce soir, on aura un concert. Je suis en train d'organiser la chose. Amen. Hébreux, le chapitre 11.